Isabelle, bonjour, vous êtes pédiatre à l'hôpital Robert Debré dans le 19e arrondissement. Vous avez manifesté devant votre hôpital pendant une dizaine de minutes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, c'est donc la deuxième manifestation de ce genre qui s'appelle Jeudi Colère. La première a eu lieu la semaine dernière et c'est au moment du déconfinement, la poursuite de plein de mouvements qui ont lieu depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Depuis longtemps, la sonnette d'alarme est tirée. Il y a les psychiatres, il y a les EHPAD, il y a énormément de monde qui a signalé qu'on travaillait dans des conditions pour lesquelles on avait besoin d'améliorer les conditions de travail. Il y a à peu près un an le collectif Interurgence qui s'est mobilisé et qui a signalé que les conditions aux urgences n'étaient plus possibles, que les gens attendaient non pas parce qu'on voulait les faire attendre, mais qu'ils attendaient parce qu'on n'avait pas les moyens de les prendre en charge. Et c'était la raison pour laquelle ils se sont mis en grève il y a déjà plus d'un an. Puis il y a plusieurs mois déjà, le collectif Interhôpitaux a commencé à se mobiliser. Il y a eu beaucoup de manifestations qui ont eu lieu en fin d'année dernière, à partir d'octobre dernier. On demandait en fait d'arrêter les fermetures d'hôpitaux, d'ouvrir plus de lits en fonction des besoins, de revaloriser les salaires les plus bas de la fonction hospitalière, quels que soient les soignants. Hein, c'est-à-dire que c'est pas seulement une catégorie en particulier, mais l'ensemble des personnes qui sont là pour qu'on s'occupe bien des patients dont on a la charge et la responsabilité. Et enfin, de remettre la gouvernance de l'hôpital aux mains des personnes qui sont acteurs au sein de l'hôpital, ainsi que les usagers. Hein. C'est-à-dire que vous voyez la pancarte derrière moi, c'est les hospitaliers et les usagers qui devraient pouvoir avoir la main sur ce qu'il se passe au sein des hôpitaux. Les revendications, c'est toujours les mêmes. C'est augmenter l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à la hauteur des besoins, parce qu'actuellement, il est à 2,5. Et juste pour rester dans les mauvaises conditions de l'année dernière, ça aurait été au moins 4%. C'est de permettre des embauches au sein de l'hôpital, d'embaucher des soignants, pas pour qu'ils ne fassent rien, d'embaucher des soignants pour qu'on puisse ouvrir des lits et pour qu'on puisse justement embaucher des soignants, il faut les payer correctement, il faut revaloriser les salaires, il faut empêcher que les gens qui sont déjà là et qui ont une expertise importante parce qu'ils sont là depuis des années, ils les empêcher de partir. C'est tout ça. La chose qu'on craint est arrivée. Elle est en réalité, cette chose est déjà arrivée pour la pédiatrie pendant la période hivernale. On a déjà vu la crise avec des enfants, des nourrissons, des nouveau-nés qu'on a dû transférer à plus de 100 km de chez eux. On a déjà vu ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de place en réanimation. Et on a déjà dit, ça n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Quand le Covid commençait à rentrer, on a tiré en plus la sonnette d'alarme. On a dit, écoutez, regardez, il y a eu une épidémie qui est habituelle, qui n'a même pas été plus grave que d'habitude, qui était comme d'habitude et on n'a pas pu la prendre en charge. Donc avec le Covid, on va avoir du mal, c'est clair, c'est inéluctable, ce n'est pas possible. On ne nous a pas entendus. Voilà où est-ce qu'on en est arrivé. La crise qui arrive va en ramener son lot de détresse psychique, psychologique et physique. Et pour ça, il y aura besoin d'un hôpital de qualité. Il y aura besoin d'un hôpital avec des moyens. Et il y aura besoin d'un service public de qualité, des écoles, des services sociaux de qualité. C'est ça la réponse, il n'y en a pas d'autre. Les milliards, c'est pour le service public, ne doit pas être ailleurs. L'économie, ce n'est pas ici qu'il faut les faire. Les privilèges ne sont pas là, les privilégiés sont ailleurs, il faut les chercher ailleurs, ça ne se passe pas comme ça. Et on le sait très bien. Donc continuons notre lutte, nos revendications n'ont pas été entendues. Leurs médailles, on n'en a que faire, ils peuvent les garder parce que nous, des médailles, on peut leur en distribuer. La médaille de l'incompétence, il y en a, au niveau du gouvernement, il y en a. La médaille du cynisme, la médaille de la mise en danger d'autrui, la médaille de la bêtise et en j'en passe et des meilleurs. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix de la tasse et des larmes. Montez de la ville, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, des respis, des brancards ou nos balades. Demain, au bon soleil, nous aurons les moyens nécessaires. Amis, entends-tu le vent noir des corbeaux sur nos plaines?
Donc rendez-vous jeudi prochain si vous le voulez bien. On sera là, nous, on continuera notre lutte, on continuera de nous battre, on aura toujours besoin.